Hey, salut à tous les gens. Et aujourd'hui, c'est sûrement le dernier épisode que je ferai sur Minecraft. Voilà. Parce qu'après, je passerai sûrement sur Call of, mais on voit encore qu'il y a les mobs du dernier épisode. Parce que j'ai dû se passer 10 secondes le temps que je fasse le chemin là jusque là et que je te passe mes fiches frappes. Aujourd'hui, c'est sur le Wither. Le Wither, ça sert énormément sur les serveurs PVP. Sur la destruction de base, il n'y a pas mieux. Très coûteux par contre. Puisqu'il va vous falloir 4 sous de sand et une tête de viseur. Je l'ai déjà fait là. Bon, alors pour faire un viseur, c'est très simple. Vous allez mettre la sous de sand de cette façon-ci et une dernière tête juste au-dessus là. Je vais mettre une tête d'autre chose en attendant parce que j'ai pas trop envie de l'activer tout de suite. Je vais mettre une tête d'humain, tiens. Je vais mettre une tête d'humain au milieu. Une tête de viseur au milieu. Et ça va vous donner un viseur. Le viseur qui va être très très utile puisqu'il va pouvoir casser les constructions où il y a de l'eau. J'ai fait une petite démo, vous allez voir. On va le lancer. Voilà. Là vous voyez, il se construit. Et dès qu'il va spawner, il va faire une explosion. Donc ça va péter, je pense. Il va tout de suite commencer à me tirer dessus. Lui, je vais le taper, peut-être. Voilà. Il explose une base. Et juste, toi, viens par ici. Voilà, viens. Alors là, bon, vous voyez tout ce qu'il va faire comme dommage, ça va être de lancer les petites fireballs que vous voyez. Donc, il est pas très agressif pour le moment. Assez simple à tuer. Ce qui va devenir un peu plus emmerdant, pourquoi je prends quelques stacks pour vous, ça va être dès qu'il va aller au milieu de sa vie. Là, ça va être très très très. Il va vous compliquer la tâche. Peut-être laisser un petit peu le son, je sais pas si vous l'entendez. Je crois que normalement ça marche. Puisque maintenant, là, je suis passé en version craquée. Putain, non, je m'en fiche comme on va aller savoir comment, je sais pas du tout. Mon compte, je sais pas, je me suis connecté et ça me disait que mon passe avait changé. Est-ce qu'il descend lui? J'ai l'impression. Donc, j'ai pas de compte. J'ai un peu de deck, ça me perd mon compte. Je peux toujours l'utiliser en version craquée, mais tout ce qui est serveur sur les serveurs ou qui acceptent pas les versions craquées, je pourrais pas aller dessus. Donc, ça m'embête un petit peu. Bon, de toute façon, je joue quasiment plus Minecraft, même si j'y vais. Je devrais pas tarder à recommencer à jouer à ce jeu. Mais viens par là, toi! Alors. On va le savoir, hein, dès que ça me. Ah, tout de suite là! Life. Il y a des petites. Ça va un peu l'entourer. On va lui tirer une flèche, vous allez voir. Voilà. Quand je tire une flèche, en fait, ça va lui redonner de la vie. Quand il est au mid-life seulement. Attends, est-ce que c'est de la merde? Non, c'est parce que je récupère sa vie. Sauf quand il est au-dessus. Ça, là il en perd, il me semble. Je vais aller là-bas. Oui, là il en perd. Allez, là il vient d'en gagner. Donc, ça peut être très pratique s'il veut bien venir par ici. Oui, bon, monsieur, il est où, monsieur? Il est là, monsieur. Non, rage-toi. Ah, t'es bon, papa. Allez, viens. Et vous allez voir un peu les dégâts qu'il peut faire si bien. Allez, descend, 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 descend. Allez! Putain, il fait chier son culé. Oh, tu vas pas me faire chier, toi. Ok, tu fais ton grognon. Monsieur ne veut pas descendre. Ça fait chier, sérieux. Ça fait vraiment chier. Allez, viens là. Toi. Bon, allez, viens ici, là. J'ai encore ces fireballs. Hein. Mais putain, mais reviens! Ah, viseur de merde. Bon, il détruit pas la bedrock, logique. Bon, tu veux bien descendre? Non, monsieur ne veut pas descendre. Il fait son grognon, monsieur. Monsieur qui a eu de me saouler. Oh putain, il va me saouler celui-là. Bon, petit slip, le temps que je fasse la. Oh, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon. Allez, viens, viens. Allez, casse ça, casse ça. Casse, je sais que tu peux le faire. Voilà, il a cassé. Maintenant, vous allez voir. Il a cassé la première couche, il n'y avait pas d'eau. Voilà, maintenant, vous allez voir, il va aussi casser là. Voilà, il arrive aussi à casser à travers l'eau. Bon, t'as cassé mon gros là ou pas? Bah, il casse aussi à travers l'eau.
Donc il peut vraiment tout détruire. Et je vais mettre en peaceful. Et je vais prendre un peu de lumière. Donc c'est très très pratique pour les packs qui sont protégés au contre la TNT. Hein, parce qu'il y avait un... J'ai fait un tutoriel sur la TNT. Mais malheureusement, ça résout pas tous les problèmes. Putain, cassez-vous! Oui, je rage. Hein. Tac. Donc voilà, vous pouvez vous voir un peu, c'est dommage, c'est quand même assez gros. Puisqu'il traverse strictement tous les blocs. Rien ne lui résiste à part la bedrock. L'obsidian pète aussi. Hein. Est-ce qu'il pète? Je suis pas sûr. Écoutez-moi, on va le savoir tout de suite. Est-ce que l'obsidian pète? Ouf, j'ai pas envie de tester. Si, allez, j'ai quand même fait le petit préparatif et on se retrouve dès que j'aurai préparé tout ça. A tout de suite. Oh, re tout le monde. Donc j'ai un peu énervé le viseur. Oh, qu'il vienne. Est-ce qu'il descend au moins? Oui, il descend. Voilà, on va voir un peu s'il pète l'obsidian ou pas. J'avais un petit doute là-dessus. Je sais pas s'il faut un plugin pour qu'il pète l'obsidian. Putain, il est où? Ramène-toi! Ça m'énerve, ça va peut-être. Ouais, ramène-toi. Voilà, c'est bon. Mais je m'énerve contre un IA. Non, tu te ramènes. Voilà. Non. Pourquoi il va là-bas? Ça, faudra vraiment se piquer, quoi. Un truc de malade. Bon, allez, ramène-toi. Hop. Voilà. Attends, descend là. Tu te casses. Putain. Arrête, putain, mais en fait, il essaie de tuer tous les mobs. Ok, tu revois là par là-bas. Ok, bon. Il me saoule. On va prendre ça après. Tac. Allez, viens. Il aime vraiment pas aller dans mes constructions. Ramène-toi. Il va là-bas. Oh putain. Ouais, peut-être qu'il va durer 3 ans. Alors, c'est un truc qui devait durer, mais genre même pas 2 minutes. Oui, c'est un peu de jump, attention, un petit peu plus loin. Attention, ça m'a pété, je crois. Allez, viens. Il récupère sa vie, ça, c'est un truc à noter. Il récupère sa vie au fur et à mesure. Ah, oh, je sais ce que j'ai fait avec Slash Game à 0. Là, il va se ramener. Ah, là, tu te ramènes. Hein. Ok, donc, un truc à savoir. Pourquoi je suis en mode. Je sais pas ça. Un truc à noter. Oh merde, j'ai quoi la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une armure. ça s'est tué sinon. Hop, j'ai trop la flemme de l'enchanter. Du coup, on va. Ah, quoique. J'ai une petite ellipse. Retourne. Donc, j'ai le viseur qui est pas très loin. Ah putain, mode de merde. Faut chier ça. Bon, il est où? Et putain, je suis là quoi. En plus, je suis au game mode 0. Bon. Ok, ça t'amuse de tirer sur les mobs. Et ramène-toi, moi je suis un adversaire de taille. Oh putain. Un lien. Oh, j'ai ça. Allez, ramène-toi. Putain, c'est pas grave. Ah bon, tu tiens fou de toi. Putain, il va vite me saouler celui-là. Vite me saouler. Bon, petite ellipse. Ouais, c'est bon, on va se foutre là-dedans. Bon, tu veux pas? Allez, colle-toi dessus. T'as vraiment pas envie. Ah!
Bon bah au moins on a décidé de péter la bedrock. Et on voit rien. Allez casse. Bam. Et quand on le tue, je sais pas s'il est récupéré. Il y a une Nether Star qui pop. Elle est juste là. Qui va servir à faire un beacon. Donc il peut aussi casser les trucs d'eau. Donc on a vu, bon je suis pas en game mode, donc c'est pas moi qui l'ai cassé. Il casse l'obsidian. Donc rien ne lui résiste. Hein. Il casse tout ce qu'il veut, personne ne va lui faire chier. Donc très utile. Sur le serveur PVP, moi, si, à part si quelqu'un va avoir un de la bedrock, ce que je doute, il pourra strictement tout péter, aucune base lui résistera. Juste quand même, faut juste demander quand même un administrateur de votre serveur si le, le viseur est autorisé et s'il est activé. Parce que c'est vrai que les serveurs désactivent le viseur, du coup, vous êtes un peu baisé. Enfin, de toute façon, il s'activera tout simplement pas. Sinon, autre chose, je n'utilise aucun mod, donc j'ai aucun plugin installé pour faire péter la bedrock avec le viseur ou le piston, pardon. Voilà, il y a un truc là-bas. Ok, non, c'était juste un petit fil. Sinon, oui, donc je disais ma dernière vidéo sur Minecraft, je en ferai sûrement d'autres si je commence à rejouer à Minecraft. Mais ça sera jamais, je pense pas que je reprendrai sérieusement, à part si j'arrive pas à filmer sur Call of, là bah, je serai obligé de continuer un peu à jouer à Minecraft pour faire des vidéos. Bah écoutez, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour ce dernier épisode. Je ferai une vidéo explicative de toute façon pour le Call of Duty sur un gameplay que j'arriverai à choper ou pas d'ailleurs. Donc bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Bye bye.